Les amis, si on s'occupait un petit peu d'art, d'art pictural après l'art culinaire. Oui, Vincent, Fred. Parce que je vais vous parler de Jean Marais. Alors Jean Marais, évidemment, on connaît tous l'immense comédien, le metteur en scène, cascadeur, mais on oublie qu'il est aussi un talentueux sculpteur, peintre, potier. Céramiste. Ouais. Et ici, avaloriste. Tout le monde a un petit peu son souvenir. Mais le mois dernier, près de 300 de ses œuvres créées par Jean Marais ont été vendues aux enchères à Antibes. Alors, je propose de revoir ce moment-là. Et le commissaire-priseur vendait la collection des époux Pasquali, ce qui était les légataires universels de l'acteur. Des sculptures, des céramiques, des œuvres de Jean Marais ou des œuvres lui ayant appartenu, voilà une vie d'artiste complet, mis aux enchères en mars dernier à Antibes. Avec tous ces objets, on découvre Jean Marais comédien, artiste plasticien, des objets à l'image d'un homme aux multiples facettes. Il s'agit de lithographie, des vitraux également, des dessins originaux et aussi un autre aspect de sa personnalité, Jean Marais le collectionneur, puisque nous présentons des œuvres que lui-même avait acquises ou pour offrir à monsieur et madame Pasquali, ou pour collectionner lui-même. Autant de traces, autant de souvenirs de ses années passées à Valoris. C'est ici en effet que Jean Marais a fini sa vie, avec ceux qui furent pour lui comme une famille, les époux Pasquali, Nini et Joseph. Quand il venait, il amenait toujours un cadeau. Un bronze de Cocteau, les mains de trucs, un tableau, il amenait toujours ça. Voilà, c'était la générosité de Jean. L'amitié et la générosité, presque sans le vouloir. La vente aux enchères de l'importante collection des époux Pasquali se fait pour une raison très simple et sans regret ni amertume. Comme je sais que cet argent va aller à des œuvres sociales, ça ne me manque pas. Parce que je me dis, si je meurs demain, ça va aller où? Hein? Il n'y a pas d'héritier. 452 fois 100 lieux de l'indulgé. À Antibes, la salle des ventes était trop petite pour accueillir tous les acheteurs et tous les curieux, attirés par les 300 lots d'objets d'art créés par Jean Marais pendant ses années à Valoris. Cet arbre de vie, même principe, une plaque en terre cuite réfractaire, émaillée. Regardez, là vous avez le cadre. Le marteau du commissaire-priseur claque et dans la salle, la fièvre monte. Ah oui, oui, je suis très très heureuse, monsieur. Très, très. Ah oui. J'ai le cœur qui bat. Dans l'assistance, si certains sont aux anges, d'autres font grise mine. Des habitants de Valoris déçus de voir le fonds Pasquali être ainsi dispersé. Ils auraient souhaité conserver les œuvres dans la cité des potiers. Alors chaque coup de marteau résonne douloureusement. Dommage qu'on n'ait pas créé l'association avant, parce que certainement qu'on aurait pu organiser une quête citoyenne et puis espérer racheter encore plus d'œuvres. Voilà, tout simplement. Là, aujourd'hui, vous visez quelles œuvres pour quel budget alors? Écoutez, là, on a récupéré deux lithos, un buste, le vase à quatre visages. Tête de lion, vase sculpté, lithographie, tout est parti. 95% des lots ont trouvé preneur pour une somme totale de 275 000 euros. Le sort est scellé et les œuvres de Jean Marais dispersées loin, bien loin de Valoris. Quel artiste complet, quel artiste talentueux dans ses mains. Et on va aller avec Vincent Perrault revenir dans la maison de Jean Marais, puisque Vincent, vous y êtes allé, c'était un de vos amis, vous l'aviez rencontré aussi. Oui, un homme charmant. Ami, on va dire une connaissance, avec beaucoup d'affection, et j'ai connu effectivement sa maison, son atelier. Comment vous l'avez rencontré? Au théâtre à Paris ou ici dans la région? Non, tout simplement parce qu'il y a à peu près 20 ans, j'ai écrit un livre sur les cascadeurs de cinéma, et je voulais deux préfaciers, Jean-Paul Belmondo et Jean Marais. Ils ont dit oui tous les deux et du coup je suis devenu un peu ami avec les deux. Alors on voit justement Jean Marais dans sa maison, ce sont des images exceptionnelles, on le voit chez lui. Regardez tout de suite cette ambiance. Et alors voilà, en train d'écrire et puis le moment le plus fort après dans son atelier. Ouais, bien sûr, Cocteau est présent, l'inspiration Cocteau, partout, la sculpture, partout. C'est très fort Vincent, hein, cette présence de Jean Cocteau. Ouais. Vous l'aviez senti chez lui aussi? Non seulement je l'ai senti mais il en parlait beaucoup. Puis de toute façon c'était impossible de ne pas avoir l'ombre du maître en permanence parce que ce soit par des photos, par des objets, tout était Cocteau un peu partout, les dessins, c'était magique. Vincent, ce qui est incroyable, c'est que Belmondo et Jean Marais
L'un son père spirituel, l'autre son père. Ils ont la sculpture en eux. Hein. Ce sont deux comédiens qui ont la sculpture en eux. Complètement. Ce ne sont pas que des acteurs de cinéma ou de théâtre qui, en plus, ont fait des cascades et des le fameux toc toc badaboum. Mais non. Ce sont des artistes profondément qui aiment l'art de surcroît, au-delà des spécificités de la discipline de la famille, si je puis dire. Alors deux artistes complets, et je vous propose de faire un petit tour dans Valoris. Que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre de Jean-Marie dans Valoris ? Eh bien, dans un restaurant, pas très loin, de bord de plage, il y a une fresque, une décoration que l'on peut voir avec cette belle fresque murale, et on retrouve l'idée de la mythologie, de l'être fantastique ici inspiré par les poissons. Il y a un côté très Cocteau derrière. Et puis à l'intérieur, dans la ville même de Valoris, au rond-point, bien connu à côté des céramistes et des potiers, là, ça s'appelle une statue, la Rebellissière. Et puis, Jean Marais est décédé en 1998 à Cannes. Il est enterré ici, au cimetière de Valoris. Sa tombe est vraiment très originale. Et vous retrouvez, vous allez voir, l'œuvre qu'on voyait tout à l'heure, qu'il travaillait chez lui. Eh bien, elle est installée sur cette tombe. Si vous allez aimer promener dans les cimetières, il y a vraiment cette inspiration. On va retrouver le créateur. Alors, j'ai envie de dire... Promenez-vous, allez faire un tour au cimetière de Valoris, Vincent, pour se rappeler cet artiste complet et un homme d'une douceur charmant et qui avait un retour sur lui-même et un humour. D'une drôlerie surtout. Je crois qu'on a piqué avec tous les amis dans les dîners des fous rires parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de recul et le sens de l'autodérision, qui se moquait vraiment de lui-même. Non seulement on s'est beaucoup amusé, puis une grande. Caricaturé, quoi. Une grande oui, vraiment au-delà même de ce qu'on peut imaginer, il se moquait complètement de lui-même. Et puis d'une grande générosité. Il m'a fait un très beau cadeau parce qu'on parle. Je l'interrogeais beaucoup sur le cinéma aussi, qui était deux de nos grandes passions. Et puis, il m'a dit un jour, écoute, c'est bien gentil que tu gardes des cassettes ou des DVD de mes films, mais je voudrais que tu gardes quelque chose de plus présent. Et il m'a offert une lampe dont il avait sculpté le pied. Et il m'a dit, bon, pour que ça vaille un tout petit peu quelque chose, je l'ai signé. Ah, quel homme délicieux. C'est joli, voilà. C'est joli.